Parfois, une personne a un poids convenable, mais pourtant aussi des zones localisées de graisse excédentaire qui ne répondent pas bien au régime ou à l'exercice. Cela peut donner une apparence disproportionnée à certaines parties du corps. Dans ce cas, la personne peut choisir de subir une intervention appelée liposuction. Lors d'une liposuction, des petites incisions longues d'environ 0,63 cm sont pratiquées dans les zones à problème et un tube creux, appelé canule, est inséré dans le tissu graisseux. Souvent, la canule émet des ondes ultrasonores pour détruire les cellules adipeuses. En effet, le dispositif à ultrasons liquéfie la graisse, permettant qu'une plus grande quantité soit éliminée. Lors de l'intervention, un médecin va guider la canule, la déplaçant sous la peau, tandis qu'une unité sous vide y étant fixée va éliminer par aspiration la graisse liquéfiée. Bien que la liposuction soit efficace et puisse être pratiquée sur plusieurs zones du corps en même temps, il ne faut pas l'envisager comme un moyen de perdre du poids, remplaçant un régime et l'activité physique. Il existe plusieurs complications potentielles associées à cette intervention, dont il faut parler avec un médecin avant la chirurgie.